Si les roadshows n'existent pas, il faudrait les inventer? Je pense qu'il faudrait les inventer. Ils sont importants au niveau des alumni pour pouvoir retrouver des anciens, retrouver l'école, pouvoir avoir à certains moments de l'année, une fois par an, un retour aux sources au niveau de l'école, voir un peu ce qui se passe, les évolutions et comment on peut se reconnaître par rapport à ce qui existait avant et voir ce qui existe pour le moment. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie, ce roadshow? Je pense, après une première année de travail, je ne pense pas que ça va changer grand-chose, mais ça va me pousser à revenir au roadshow suivant, pouvoir garder des contacts avec des anciens, créer de nouveaux contacts, avoir un networking assez important et pouvoir revenir dans l'esprit de créer ce networking qui est important au niveau du roadshow. Qu'est-ce que vous avez pensé du thème du débat? Le thème du débat correspond tout à fait à l'actualité. L'innovation, le design sont des deux éléments qui sont vraiment importants à l'heure d'aujourd'hui. Et les différents intervenants étaient vraiment des personnes très intéressantes. You think that the professor Sotama has a good idea to create an university like this in Helsinki? I think the idea is really interesting. It was also the case in HSULG for the Master in Engineering Commercial Engineering. We also had the case of creating a project from scratch and from different engineering, design and things like that to create a project really from scratch. And this is really something that is needed for HEC and for some universities. You think it's a good, it will be a good idea to create a factory in HEC ULG? They try to create a factory, but you need to convince the different people going to this factory, so HEC is convinced, but you need to convince the other universities and to have some interesting people that will take part of this factory. You feel in your job that it will be important to have an interdisciplinary discussion? I think this is important. In our job we have IT people and we have commercial people. We have the two different aspects and it's not always the case at the university, and it should be interesting for us to have these two aspects to go further and to have more information about this. Next roadshow in Brussels, you will come? If I'm staff in Brussels, why not? But if I'm in Luxembourg, it will be more complicated, but if I'm invited, why not? Yeah, it's a good opportunity for me. Okay, and we will come back next year. You will be there? Of course, I will be there. Thank you.